Un total de 6043 brebis dans la zone de Lepougon, avec 284 églises et maisons. C'était le bilan qu'a donné le premier responsable de la zone spirituelle de Lepougon, le pasteur Innocent Lombé, le dimanche 10 septembre au foyer des jeunes de Kouté, au cours de la troisième retraite des dirigeants. Cette retraite qui avait pour objectif principal de faire le bilan à mi-chemin de la conquête des 10 000 brebis d'ici fin décembre 2023 a été une lucarne dont s'est servi le dirigeant de la zone de Lepougon pour exhorter ses co-ouvriers à faire le travail pour lequel ils ont été nommés dirigeants en tranquillisant le cœur de leurs responsables et ce, dans la loyauté. Philémon, le verset 4 jusqu'au verset 7. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Amen. Lorsque nous autres, le Seigneur nous a accordé la grâce d'être nommés dirigeants d'assemblée, nous avions deux grands fardeaux. Pour nous, c'était un privilège, une faveur, parce que nous n'étions rien. Et le Seigneur nous appelle, nous associe à son œuvre. C'était pour nous une grâce. Et nous étions déterminés à payer le prix, premièrement, pour que le Seigneur ne soit pas déçu, pour satisfaire le cœur de Dieu. Et deuxièmement, nous étions déterminés à réjouir le cœur du dirigeant qui nous a fait confiance. Est-ce que tu évalues même ton travail et tu te poses la question, ce travail-ci peut-il réjouir le cœur du dirigeant? Est-ce que ça peut le satisfaire? Est-ce que tu fais partie de la classe des dirigeants, des ouvriers qu'on peut corriger? Séance tenante, plusieurs dirigeants ont adressé des prières à Dieu en réponse au message donné. Père, je voudrais te dire merci pour cet enseignement qui est pour moi une grande révélation. Tu viens de nous enseigner la clé du succès pour que l'œuvre soit bénie entre nous-mêmes. Je voudrais te demander pardon. Du fond de mon cœur pour la déloyauté. Tu n'as pas été loyal comme il se doit. Et je voudrais me repentir sincèrement, Seigneur. Je voudrais aussi me repentir pour tous ceux qui ont été déloyales vis-à-vis de leurs dirigeants dans cette assemblée, dans cette rencontre. Tous les dirigeants de la zone, tous ceux qui ont été déloyales. Pour ma part, je m'engage à corriger mon cœur. Et je veux qu'il en soit de même pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. De ce que tu as touché, tu as mis le doigt dans la plaie. Merci Seigneur. Nous allons corriger, nous allons guérir cette plaie. Pour que l'œuvre soit bénie entre nous-mêmes. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
ce que je retiens de l'enseignement, c'est le message porté sur ce qu'il faut donner aux brebis. Parce que chez nous, comme je l'ai expliqué tantôt, nous avons des problèmes avec les âmes. Les âmes se plaignent parce que dans des situations qu'elles traversent, il n'y a personne pour aller les assister. Et ça nous fatigue. Donc, je retiens que nous devons changer notre méthode d'approche des âmes. Nous devons changer notre méthode de bâtir les âmes en leur donnant Jésus-Christ, qui est fondamental pour leur croissance. Voilà ce que je retiens. Le problème de la loyauté dont parlait le dirigeant au cours de cette réunion-là est un problème très fondamental. Très fondamental. Et nous avons prié et nous croyons que le Seigneur nous aidera. Nous aidera à faire en sorte que les dirigeants qui sont les dirigeants d'assemblée, parce que les assemblées sont la cheville ouvrière de la conquête. C'est dans les assemblées qu'on fait les conquêtes. Si les dirigeants sont loyaux, s'ils veulent satisfaire effectivement le cœur de leurs dirigeants supérieurs, les choses iront bien. Et si ce problème est réglé par la prière que nous avons déjà élevée, nous aurons la grâce, Dieu va nous faire la grâce d'accomplir le but de la zone de Yopougon pour cette année 2023. Des dirigeants enflammés pour une conquête efficiente. ...591 personnes de l'armée des dirigeants du pasteur Lombé ainsi réunis au foyer des jeunes de Kouté lui a permis d'insister sur son enseignement dénommé « Zéro vol des dîmes et offrandes » au Seigneur. Malachie 3, versets 7 à 12 et Deutéronome 30, versets 9 à 20 sont les passages bibliques qui lui ont servi d'illustration. Et dit, Dieu va ouvrir pour toi les écluses des cieux. 1, 2... Dieu répandra sur toi la bénédiction en abondance si tu es fidèle. Donc, premièrement, le Seigneur a décidé d'ouvrir les écluses des cieux. Deux, il répandra sur toi la bénédiction en abondance. Trois, Dieu menacera pour toi celui qui dévore afin qu'il ne te détruise pas le fruit de la terre. Alléluia. Frère, ce sont des choses réelles. Si Dieu décide de menacer le dévoreur, tu seras un homme béni. Il y a tellement de dévoreurs qui, sans même que Dieu les appelle, eux viennent seulement. Ils sont là pour ranger. L'un des dévoreurs, c'est la maladie. Une seule maladie peut prendre tout ton argent. Le souhait du leader, le pasteur Boniface Meynier, est que la brebis que tu diriges soit à tous les programmes de l'Église, disait l'orateur du jour, en conduisant l'assistance dans d'intenses supplications à ce sujet. Les dirigeants qui avaient été des modèles dans ce domaine ont reçu des récompenses. Le week-end de salut et de guérison de la dite zone qui aura lieu du 7 au 8 octobre était également à l'ordre du jour. Des prières pour la réussite de cet événement étaient élevées à cet effet. La communion autour d'un repas a mis fin à la retraite. Ce qui m'a marqué pendant cette retraite, c'est lorsque le pasteur a récompensé les dirigeants principaux d'assemblée qui totalisent un taux de présence de 80 à 90%. Ce qui m'a marqué encore, c'est le partage sur comment ils ont fait pour qu'il y ait ce taux de présence. Le fait qu'ils rendent le ministère pastoral efficace à l'Assemblée. En tout cas, c'est merveilleux. Je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Je veux être infiniment reconnaissante au Seigneur pour le message sur le retour, le réveil dans les dons à Dieu que le Seigneur a commencé à nous donner depuis quelques semaines et sur lequel le dirigeant de la zone est revenu pendant cette retraite. En fait, mon esprit a été ouvert sur la nécessité de veiller à ce que nos brebis payent les dîmes et les offrandes. Même certaines personnes qui sont matures, mûres dans la foi, souvent il est nécessaire de les contrôler. Parce que quelqu'un peut vivre une situation difficile et commettre le vol des dîmes. Et la confiance qu'on a en la personne fait qu'on ne demande pas. Et le temps de nous rendre compte, souvent, il est déjà trop tard.
Il m'est arrivé, par exemple, c'est quand certains frères traversaient des difficultés financières qui me troublaient. Quand je leur ai posé la question de savoir s'ils donnaient à Dieu, c'est là que je me suis rendu compte que les frères volaient Dieu. Et c'est un contrôle que j'ai arrêté de faire depuis un bon moment. Et je pense que le Seigneur est en train de nous interpeller pour que nous retournions au ministère pastoral et que nous veillions à ce que les frères donnent à Dieu pour demeurer dans la bénédiction. En tout cas, c'est l'une des retombées de cette retraite des dirigeants de la zone de Yopougon. Que le Seigneur vous bénisse. Quand quelqu'un vole Dieu, c'est qu'il a décidé de se mettre sous la malédiction de Dieu. Et cette vérité m'a vraiment béni. Et ça m'a amené à renouveler mon engagement, à être fidèle encore, de payer la dîme. Il faut dire que le Seigneur nous a fait la grâce, mon époux et moi, d'être fidèles. Mais à partir de cette vérité, je renouvelle encore mon engagement. Et une autre vérité qui m'a touchée, c'est que le moyen le plus facile pour avoir des couronnes au ciel, c'est de donner à Dieu. Ça m'a aussi béni. Je comprends juste que les nombreux jeunes prières, c'est bien. Mais le moins facile pour avoir des couronnes au ciel, c'est de donner à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.